Bonjour, aujourd'hui nous allons vous aider à résoudre vos problèmes de prise papier lorsque vous utilisez le chargeur de documents. En effet, il peut se produire au cours du temps que la prise papier soit moins efficace. Ce problème est rencontré sur les modèles de la gamme 50, par exemple 50-30, 52, par exemple 52-35, et plus anciens. Dans un premier temps, nous allons ouvrir le capot du chargeur de documents avec la petite manette ici. Voilà. Ensuite, nous allons nettoyer avec un petit chiffon microfibre, dans ce style-là, ainsi qu'un nettoyant quelconque, par exemple du jet vitre ou autre, hein, peu importe. Même un petit peu d'eau, humidifier un petit peu le microfibre, afin de nettoyer le petit patin qui se trouve ici. En fait, ici nous avons plein de petites rayures, et au fur et à mesure que vous passez vos documents, ces petites rayures sont remplies de poussière de papier. Donc nous rencontrons ensuite le syndrome du pneu lisse, c'est-à-dire comme les stries sont remplies de poussière de papier, et ben le papier adhère nettement moins au patin. Donc vous avez une prise papier qui n'est plus assez efficace, vous rencontrez des problèmes, éventuellement obligé de pousser un petit peu la feuille, ou des petites galères dans son genre. Donc nous allons procéder au nettoyage. Je recadre un petit peu. Je prends mon chiffon microfibre. Hop. Je mets un petit peu de produit comme ceci sur mon doigt. Hop. Je maintiens une petite pression ici sur ce patin afin d'avoir un meilleur accès au niveau du patin. Et hop, je nettoie comme ça, doucement. Et comme vous pouvez le constater, au fur et à mesure, les stries sont de nouveau vides. Donc vous faites le tour comme ça. Voilà. Donc une fois que vous avez fait le tour, bah éventuellement vous pouvez toujours en profiter pour passer un petit coup de nettoyage. Ça ne fait pas de mal. Hop, voilà. Il n'y a plus qu'à refermer. Vous pouvez à présent utilisez de nouveau votre copieur dans de meilleures conditions. Voilà, bonne journée à vous. Au revoir.